Et c'est sur cette musique totalement entraînante que je vous dis bonjour, c'est Nikolchi avec Jen Shepard sur Mass Effect 3. Et aujourd'hui on reprend là où on s'était laissé la dernière fois, après le coup d'état à la citadelle. Bon, j'ai fait quelques missions secondaires et j'ai exploré pour un peu plus pour avoir plus de d'XP. Et de crédit, et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. Il s'agit du DLC Omega que je n'ai jamais fait, je ne connais pas l'histoire. Les premières fois que j'ai fait le jeu, que j'ai fait Mass Effect 3, je n'avais pas encore les DLC. Et là c'est le bon moment pour découvrir tout ceci en même temps que vous, et ce n'est pas parce que c'est nouveau pour moi qu'on ne va pas jouer pragmatique. Allons-y. Illégalement. Oui, il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Shirk, appelez-moi le conseiller Asari. Arya, que me vaut ce plaisir? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Je vois. Voilà qui est réglé. Il y a autre chose? Rien, merci. Ah bah c'est bien de connaître des gens haut placés. Alors, on s'amuse, je sais pas? Au moins c'est bien réglé. Une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Alors que faites-vous ici? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passée dans cet enfer bureaucratique. Mais que s'est-il passé? Ouais, je pense qu'on va aller récupérer Omega. Comment Cerberus vous a... À la force de nos petits bras. Distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Omega et m'ont prise en embuscade. Je me suis enfuie, mais Cerberus s'était déjà installé. Quand j'ai enfin pu lancer un assaut, ils étaient inébranlables. À votre place, je me vengerai. Les grands esprits se rencontrent. Je vais reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors peu importe où je suis assise. C'est dans mon intérêt de vous aider. Qu'est-ce que vous proposez, Arya? Sur Omega, je contenais les Berserkers, les Soleils Bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut ça. Moi, je leur ai mis 2-3 patates dans la bouche dans Mass Effect 2. Une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. Ah, après les avoir tapés, on les convainc. Ça va. On n'avait plus qu'à conclure les accords. S'ils combattent les moissonneurs, je marche. Ça, c'est un raisonnement que je respecte. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des Berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle, incognito. Il vous attend. Et j'ai déjà un accord avec Jonas Ederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey, de la libérer de prison. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Je crois qu'une force de mercenaires professionnels vaut bien ça. En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe si vous voulez causer plus tard. Bon, on causera plus tard. Donc, on va aller voir Narl pour les Berserkers. Et on va aller voir Jonah avant tout pour Eclipse. Donc, comment dire, on va aller voir Bailey avant toute chose. Et donc, Bailey qui est aux ambassades. On va discuter avec lui, voir s'il peut nous faire libérer. La petite Jonah. Ambassade, s'il te plaît. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Merci madame, la voix de l'ascenseur. Allons discuter avec Bailey. Normalement ça devrait pas poser de problème. Hein. Je lui ai sauvé la vie, il me respecte. J'assiste un peu. Et normalement ça devrait passer crème. Je viens vous parler de la libération de Jonas Ederis. Bon sang, vous aussi. Quelqu'un a obtenu sa libération du conseil. Je la retarde comme je peux.
Vous en retirerez quoi ? Des renforts pour les moissonneurs. C'est plus poli que mêlez-vous de vos affaires. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. C'est un danger public. Bah, tant mieux. Dire qu'elle est folle. Si elle veut tuer des gens, autant la mettre au front et puis combattre des moissonneurs. L'isolement a achevé de la rendre folle. Peut-être que l'air libre lui fera du bien. Elle enrage nuit et jour, Shepard, jurant la mort de tous les ennemis d'Eclipse. Non, la libérer lui permettra de tuer encore. Justement. C'est plus important que Cédéris, vous ou moi. Les ordres du Conseil doivent être exécutés. Non, je sais d'où vous venez, mais je ne changerai pas d'avis. Écoutez, parlez-lui et si vous pensez honnêtement qu'elle peut être libérée, je le ferai. Allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera à sa cellule. Ensuite, rappelez-moi. Alors j'espère que je peux juste rappeler et pas faire des allers-retours. Je peux faire des allers-retours façon quête FedEx. Donc allons-y aux résidences du Présidium. Hop. Zone résidentielle du Présidium. Et allons voir le gars du... Alors la carte, on est où? On est là. Donc on va aller vers le sac. Tac, tac, tac. Hop, hop. Donc c'est par là. Non, je veux pas marcher, je veux aller au trot. Et normalement, elle est un peu plus bas. Par là... Voilà, c'est ici, là où il y a les impacts de balles. Donc l'assistant du SSC. Alors, discutons avec l'assistant du SSC. T'as même pas un nom, quoi. C'est juste un assistant du SSC, quoi. Connexion établie avec la cellule de Jonas Cédéris. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci. Laissez-nous seuls. Bien sûr. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. Merci, PNJ Turien, assistant du SS. Mais qui m'espionne encore? Ah, c'est une Asari. Très bien. La servante d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libéré. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Ouais, la tienne va tomber si tu ne te tiens pas à carreau. Je n'ai pas oublié. C'est vrai, tu te rappelles, c'était dans Mass Effect 2. Un conseil, Cédéris. Évitez les menaces. Je les enterre dans le cercueil de mes victimes. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'affronter. J'ai le pouvoir. C'est vrai, ça? Un duel? Oui, Sane, mon second, est un flatteur sans volonté. S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir. Mais il n'osera pas me défier. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey de me libérer. Bailey, j'ai vu Cédéris. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. Ignorer vos ordres, c'est aller contre la loi. Il faut la laisser sortir. Ok, Shepard. Mais vous serez responsable de tout le mal qu'elle causera. Je la libérerai aujourd'hui. J'espère que vous ne le regretterez pas. Ah, je lui mettrai une balle dans la tête si elle fait chier. On va dire ça comme ça. Donc, ouh, du pragmatisme. Donc, ressources de guerre à la flotte Terminus. Donc, on va aller voir Narl, qui est derrière là-bas. Allons-y au pas de course. Pouf, pouf, pouf. Et allons voir, normalement, c'est les berserkers, si j'ai bien retenu. Vite, mettez vos mains dans le dos. Ils seront bientôt ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Il y a encore des buts à rien? Le chef des berserkers. Aria lui offre le grand commandant Shepard. Et Krit lui offre... J'ai pas explosé leur planète? On l'attire simplement à terrain découvert pour l'éliminer. Notre amitié commence très mal, Narl. Il arrive. Mettez vos mains dans le dos et... donnez l'impression que je vous ai battu. Vous voyez? J'en ai tué plus d'un des butariens, alors fais gaffe à toi. En cas de pépin, vous trinquerez. Ah, Ariat Locke,
est encore plus forte que Krit le pensait. Ses instructions pour entrer discrètement dans la citadelle sont une chose. Mais ça... Ah, commandant Shepard, écoutez bien. Votre tête sera parfaite pour orner la carlingue de ma navette. Restez à distance, Krit. Alors, vous acceptez les conditions d'Aria? Ah, et comment? Aria peut utiliser les berserkers comme elle veut. Ils sont bien moches, hein, n'empêche. Je ne vous parlais pas, Krit. Grill? Quoi? Vous avez ma parole! Ouvrez le feu! Pas lui! Grill est le second de Krit. Aria a un accord avec lui. Oui! Oui! Je suis la taupe d'Aria, Shepard! Vous m'avez rendu service! C'est à mon tour, maintenant! Un conseil? Ne trahissez pas Aria. Je suis peut-être ambitieux, mais pas fou! Beau travail, Narl. Merci pour le flingue. De rien, Shepard. Grill et moi allons dire à Aria que la voie est libre. Alors je me demande lequel est plus moche entre le Vorcha et le Butarien. Donc il nous en reste un normalement, si je me trompe, c'est le Soleil Bleu. On va voir dans le journal. Hop, résumé de mission. Soleil Bleu. Dans le camp de réfugiés, on va aller parler à Darner Vosk. Marqué comme Toulou, comme ça, ça évite que ça clignote. Ok, allons aux réfugiés et allons voir Darner Vosk. Vosk. Donc ça c'est fait. Non, j'ai vu aussi en passant un gars qu'on pouvait discuter avec. Bon, c'est pas grave. Hop, allons au centre de rétention. Veuillez choisir un moment, s'il vous plaît. Zone de rétention et allons voir ce gars des soleils bleus. Il doit pas être loin normalement, bah, il doit être là hein, dans ce côté là. Hein. Normalement ça devrait s'afficher à notre écran. Quand on va s'approcher de lui. Alors. Ok, Darner Vosk. Coucou. Eh bien, Aria ne blaguait pas. Le grand commandant Shepard tenu en laisse. Je suis ici pour mes propres raisons, Vosk. Bien sûr. Enfin bref. Dites-lui que je suis impressionné, mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. À savoir ? Un général turien nommé Oraka en a après les soleils bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Aria dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi se plaint Oraka exactement ? Tu me caches quelque chose, ouais. On effectue des petits raids sur des routes commerciales, avec la bénédiction d'Aria, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des soleils bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Oui, j'en ai buté quelques-uns, mais c'est pas grave, je connais ton travail quand même. Oraka sera bientôt plus un problème. J'adore. Le commandant Shepard qui sort les poubelles des soleils bleus. Cette Aria est capable de tout. Oh oui. Dites à Aria que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Prumps. Donc, allons voir... Qu'est-ce qu'il y a, Shepard ? Vous étiez au courant ? Vous pouvez développer ? Darner Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi, je m'en occuperai. Épargnez-moi vos euphémismes. Ah, Shepard, vous croyez vraiment me connaître? Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouviez pas m'en parler vous-même. Mais c'est pas c'est ça qui a reluxé ses fesses, c'est tes fesses. Il se fout le doigt dans l'œil. Non, parce que j'ai dit Prumps en plus.
Donc, où est-ce que je trouve ce Oraka? Alors, journal. Non, c'était la carte que je voulais. Alors, James, non. Ah, il est dans la cour, dans la zone résidentielle du Présidium. Bah, retournons au Présidium. C'est pas comme si que j'ai déjà été trois fois. En fait, j'aurais dû aller voir lui avant et retourner aux zones, à la zone résidentielle. Et comme ça, j'aurais tout sous la main. Ça aurait été plus rapide. Bah, la prochaine fois, je le saurai quand je referai une énième partie de Mass Effect 3. C'est pas parce que j'aurai fini le jeu pour ma petite chaîne YouTube que je ne continuerai pas le jeu. Donc la carte. À la cour, donc il est là, ok, voilà. Tout de suite à gauche. Toujours les mêmes gens, toujours les mêmes PNJ qui font rien. Alors. Oraka, ah bah il est là. Eh salut, coucou. Commandant Shepard. Général Oraka, on s'est croisé dans l'antre de Koras. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les soleils bleus? Je dois venir en aide à la citadelle. Les soleils bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, Général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la citadelle. Mais il refuse de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les soleils bleus. Les soleils bleus pourraient vous compliquer la vie. Ou pire. Je n'ai pas peur de la mort. Palaven est en ruine, et les miens périssent par millions. Non, je ne renoncerai pas, quoi qu'il arrive. Bon bah tant pis, hein. Pragmatique à fond, on continue, on fait. Hein. Excusez-moi, Général. Ravi de vous revoir, Shepard. Le Général ne veut rien entendre. Abattez-le. Ça valait le coup d'essayer. Est-ce qu'on va le voir Faut que je me décale. Moi, je vais le voir, moi. Je suis sûr qu'on va se retourner, il va se prendre une bastos. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais non. Alors, normalement, c'est bon, on a tout fait. On a tout fait, on va aller retourner voir Arya. Bon, c'est pas grave, je pensais qu'on le verrait. Bon. C'est pas grave, retournons voir Arya. On a... on a engagé les trois castes, clans de mercenaires. Bon. On a les soleils bleus, on a Eclipse, on a les berserkers. Donc retournons voir Arya au purgatoire. Et allons l'aider à récupérer Omega. Et tant que je peux y aller en jogging, moi ça me va. Arya. Coucou, choupette. Regardez qui voilà. J'ai les soleils bleus, les berserkers et Eclipse dans la poche. Je les enverrai au combat quand vous serez prête. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, on va enquêter sur les berserkers. Est-ce que les berserkers sont dociles? Avec Grill à leur tête, on est fin prêt. C'est sa voix, mais mes paroles. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure marionnette. Les berserkers m'ont confié 2000 Vortcha. Ils seront la plus grosse partie de l'armée. Darner Vosk, 2000, la vache. Désormais? Depuis que les soleils bleus sont débarrassés d'Oraka, oui. Vosk croit toujours qu'il va m'attirer dans son lit. Quel crétin. En tout cas, il m'a confié ses soldats vétérans. À mon tour de vous les prêter. Qu'est-ce que ça nous rapporte d'avoir Eclipse dans la poche? Une armée de mechas et des soldats d'élite pour les opérations furtives. Jonas Deris est peut-être folle, mais elle a tout à l'œil.
Elle veut toujours votre peau, mais elle ne me défiera pas. Alors, et ces trois, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai obtenu exactement? Une armée prête à toutes les bassesses, à tout ce que vos soldats respectables refusent de faire. Les mécas d'Eclipse et les légions de Vortcha font d'excellents porte-étendards pour toutes les offensives de terrain. Ça vaut bien le petit numéro que je vous ai fait faire, j'en suis sûre. Comment vous comptez reprendre Omega? Je crois que je vais recourir à la violence. Je vais arracher Omega des mains puantes de ce pingre d'homme trouble. On se parlera plus tard. J'en suis sûre. Alors maintenant que j'ai tout fait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller sur Omega? On va regarder le journal. Hein. Donc j'étais me renseigner un petit peu voir ce qu'il fallait faire et en fait j'avais pas vu. J'avais un petit courriel pour dire donc Omega, l'heure est venue. Shepard, je suis prête à discuter du projet dont je vous ai parlé au purgatoire. Rendez-vous sur le quai 42 de la citadelle, un butarien nommé Bray vous y attendra. Bah retournons à la citadelle, c'est pas comme si j'avais bougé. Et partons voir ce Bray, un autre butarien. Rendez-vous sur le quai 42. C'est ça indiqué comme par rapport à avant. Donc on va aller sur le quai 42. La réponse, bien sûr. Et voici Bray. C'est vous, Bray? Le commandant Shepard en personne. J'ai même pas mon carnet d'autographe. Oh, je peux te scarifier sur la gueule. Hein. Contentez-vous de me mener à Arya. Suivez-moi. Donc une nouvelle partie de la citadelle Alors, qu'on ne connaît pas. Shepard. Ça va, je suis en jogging. Ça passe partout, ça. Arya, vous auriez dû faire du théâtre. Les murs ont des oreilles au purgatoire. Donc, où est-ce que tu nous emmènes? Je suppose que vous voulez reprendre Omega. Cette guerre est aussi la vôtre, Shepard. En contrôlant les systèmes Terminus, Cerberus accroît sa mobilité. Depuis la prise d'Omega, ils sont partout dans la galaxie. Je suis sûr que l'Alliance l'a remarqué. Allons droit au but. Quel est votre plan? Les foutre dehors. J'ai rassemblé une flotte mercenaire. On perce les rangs adverses et on débarque en force. Une fois dans Omega, ce sera une guerre terrestre. C'est là que vous intervenez. Je ne veux que les meilleurs. J'avis qu'Egarus. C'est le général Oleg Petrovski qui est à la tête de l'occupation par Cerberus. C'est lui qui m'a détrôné. Je connais pas. C'est le meilleur stratège de l'homme trouble et son secret le mieux gardé. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est un impitoyable salopard. Qu'est-ce que vous savez de l'occupation? L'armée de Petrovski est nombreuse et il tient fermement Omega. Et ça s'arrête là. Alors vous improvisez? Pas du tout. Je suis la seule à connaître certains secrets d'Omega. Des secrets qui nous donneront une longueur d'avance. Ce que je peux vous dire, c'est que l'invasion de Petrovski était précise et sans pitié. Il ne reculera devant rien pour triompher. Donc en gros, on y va, on bourre tout, on le tue, et puis voilà qu'on a gagné. Il va bientôt trouver son égal. Voilà des paroles qui me font chaud au cœur. Quand Omega sera à nouveau mienne, je vous donnerai tout ce que j'ai. Vaisseau, mercenaires, aison, pour votre guerre. C'est quoi l'arnaque? Certains membres de votre équipe ne me plaisent pas. Cette mission se fera sans le Normandie et son équipage. Sans Javik et sans Garrus. Disons juste que je vous veux pour moi seul. Tant pis pour Vosk, hein. J'avais dit Prumps et je l'aurai. Bray vous donnera les coordonnées de ma flotte. Oh, tant que vous êtes sur la citadelle, merci de garder ce secret pour vous. La flotte est cachée dans ce système. Faites-moi signe quand vous arriverez.
Aria et moi vous retrouverons sur le vaisseau amiral. Alors, est-ce qu'il faut... J'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ce cirque. Alors, est-ce qu'il faut que je retourne quand même sur le Normandie? Ça m'a tout l'air. Est-ce que j'ai un courriel? Non, j'ai pas de courriel. Utilisons la carte de la galaxie. Et voyons... Ah bah voilà, flotte d'Aria. Rejoignez la flotte d'Aria. Allons-y, mais je vais faire un petit tour avant. Voilà, on voit la citadelle. Vous avez vu la citadelle. Entrez dans l'orbite. Et oh, elle est jolie sa flotte. Alors, ensemble de vaisseaux, bâtiments de guerre, transports et chasseurs arborant le pavillon d'Aria. Bah allons-y. Mais sans le Normandie, bah on n'aura pas nos collègues avec nous. Mais ah bah on a rien. Donc Aria, qu'est-ce qu'on peut lui donner Ah, donc elle a un fusil à pompe et un pistolet lourd. On va lui donner vraiment le... des trucs qui font plus un peu plus mal. Le Hurricane ou le Plasma... Non, le Hurricane, on va donner le Hurricane et en... Et le, bon, on va lui donner le même que le mien, le Piranha. C'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut modifier. On va modifier quand même, au moins qu'elle ait... Donc plus de capacité de munitions, quoique... Ils en ont pas trop besoin. Donc on va augmenter les dégâts. Est-ce que je peux augmenter un minimum la précision? Ouais, je peux augmenter un minimum la précision. Hop, ok, bah ça on est bon, on confirme. Et pareil pour le Piranha, on va modifier. Et les dégâts. Et un petit peu la précision aussi. Ok, la précision c'est ici. On confirme, retour. Donc moi j'ai remis mon matoc. J'ai enlevé le... c'était le... le revenant. Il est sympa mais... je préfère mon matoc quand même. Et j'ai toujours mon petit Piranha. Retour, on confirme. Et j'ai pas de points. Est-ce que... Oh, ouh. D'accord, elle aussi elle est niveau 44. Bah, mettre tout en supérieur. On va laisser faire le... l'IA pour ça. On confirme on et on y va. Et la plupart de nos vaisseaux sont limités en puissance de feu. On n'est pas là pour jouer au plus fort, Jaral. Il faut juste qu'on perce leur défense. Vous avez réquisitionné un croiseur de Cerberus. Notre invité d'honneur est arrivé, on peut enfin commencer. Laissez-moi deviner, vous comptez infiltrer la flotte ennemie? Exactement. On se met en position pour porter un coup décisif, puis mes forces interviennent. Ça me va? Si vous êtes toujours aussi facile à vivre, on va bien s'entendre. Dans ce cas, passons aux choses sérieuses. J'ai cru qu'elle dire non. Après, je parle des choses sérieuses. Qu'elle ne bouge qu'à mon signal. Ah, il est sympa ce vaisseau, j'aime bien le design. Et nous revoici Omega. Au vaisseau, amiral. Je ne vous vois pas sur le plan de vol. Identifiez-vous. Ici Lens. Reconnaissance vocale, Alpha, Tango, Z. On est touché. Demande de réparation. Identité confirmée. En attente d'autorisation d'approche. Comment vous l'avez convaincu de dire ça? La manière forte. Voilà. Tout doucement. Il ressemble un peu au croiseur de, des Sith dans Star Wars, ce côté triangulaire, vu de haut en tout cas. Approchez-vous, autant que possible. Feu! Ouf, ça envoie des grosses bastos. Général essaie de nous joindre. Intéressant. Passez-le-moi. Drasvunia. J'étais sûr que c'était vous. Vous n'y arriverez jamais. Laissez tomber. Vous vous fatiguez pour rien, Général. Essayez donc plutôt de convaincre ma coéquipière. Commandant Shepard,
On m'a dit beaucoup de bien de vous. Je doute que l'homme trouble ait une si haute opinion de moi. J'ai mes propres sources, commandant. Et moi j'ai ma propre vodka. Cerberus, on finit tous par se saboter. Au fond, peut-être que la réussite vous fait peur. Et à l'évidence, Aria pense que vous me faites peur. À mon tour. Je vois que vous avez pris la peine d'équiper ce vaisseau d'un blindage Silaris. Voilà une dépense bien inutile. J'ai amélioré les défenses extérieures d'Omega. Mes canons ne feront qu'une bouchée de vous. Non, une gorgée, vodka, on a dit. Oh là là. Je me répète donc. Faites demi-tour. Puis il manque l'accent. Je demande à voir, Oleg. Fin de transmission. Ça, c'est fait. Cap sur la station. Attention tout le monde. Impact imminent. Quoi ? La barrière cinétique d'Omega empêche les vaisseaux d'atterrir. J'ai équipé ce croiseur de disrupteurs qui la désactiveront à l'impact. Ne vous en faites pas. On devrait survivre au crash. Devrait. Allez, le gars derrière là, casse-toi. On dirait que cet enfoiré a bel et bien renforcé les défenses d'Omega. Il semblerait. Bonjour! T'as n'empêche, c'est peut-être qu'un DLC, mais ils envoient le pâté quand même au niveau des cinématiques et de la scénarisation. Et ça, j'aime bien. Boum. Mais non, j'ai pas le Avenger, j'ai le Matok avec moi. J'espère que les autres modules s'en sont sortis. Bon, quelle est notre cible? Neutralisons les défenses d'Omega en frappant leur station pour que mes vaisseaux puissent atterrir. Sans ça, ils voleront en éclats. Exactement comme nous. Elle a okay. Le piranha que j'ai équipé. Tu sers à rien le Vorschach. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. L'affront terrestre. Au combat, je vous laisse les rênes. Ah, on se fight ? Logique. Chacun ses points forts. Je connais notre destination et vous pouvez nous y conduire. Ok, allons-y.